j'adore la ligne de toit. La ligne de toit. Regarde la terminaison à l'arrière. C'est top. Regarde le petit panneau. Pourquoi c'est dessiné comme ça? Ouais, voilà. Ça, c'est un litre au 100. Moi, je la trouve réussie. Moi, j'adore. Tu sais à quoi ça ressemble, un fluon? J'ai jamais vu ce prêt. C'est fait pour être efficace aérodynamiquement. Elle se finit plus étroite qu'elle commence. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il y a les contraintes techniques qui sont avant tout importantes après derrière. Enfin, j'adore les portes antagonistes. Ah, mais ça va. L'intérieur, il a l'air hallucinant. Le clignot, c'est sympa, la ligne. T'as vu les rétros? Ouais. Ils sont à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Ouais. Que en vision. Comme sur Mustang. Si je fais ça, c'est derrière un chapitre. Sur mesure. L'intérieur, c'est sympa. C'est top. Hein. C'est futuriste. T'as essayé de regarder la sienne dans la Brera? C'est que pour les cul-de-jatte, hein, faut pas avoir de mollet. Il n'y a pas 4 portes. Il y a 4 portes quand même. Derrière. Ah bah, je vous rejoins. Juste pour dire que